Avant que la vidéo ne commence, j'ai deux choses à te dire. Alors, la première, c'est que j'ai un Discord. Voilà, lien en description, n'hésite pas à rejoindre. Et la deuxième chose, c'est que je stream de façon régulière désormais le samedi à 15h. Donc voilà, n'hésite pas à venir un de ces quatre, ça ferait super plaisir. Allez, bon visionnage. Et salut tout le monde les amis, c'est PleurGamer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo invocation sur SaoWars. Aujourd'hui les gens, vos vidéos invocation, hein, on va essayer de se faire le petit rituel du samedi. Chaque samedi on va essayer de voir, je vais commenter vos multis. Donc aujourd'hui ça sera les multis de Geo principalement. Je sais pas si je vais faire repasser d'autres, mais voilà, donc vous avez été encore une fois quelques-uns à m'en envoyer. Donc merci à tous ceux qui l'ont fait. Donc voilà, avant toute chose les gens, si la vidéo vous plaît à la fin, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager la vidéo et à vous abonner. C'est très important, ça soutient la chaîne, donc merci à tous ceux qui le feront. Et également un petit commentaire, pareil, hein, ça soutient énormément la chaîne, donc merci à tous ceux qui le feront. Bref, on est parti pour l'abonné Iron 974. 974, 974, je ne sais pas comment ça se prononce. Mais voilà, donc on est parti avec ce très cher abonné. Voyons voir ce qu'il a drop. Let's go, partie 1 donc sur EGO. Alors déjà j'aime bien, c'est que déjà vite fait, on va revoir ici son hub. Il nous fait voir son hub, donc très sympa. Avec le gris là, c'est très très cool. Alors je sais pas si ça a été choisi par rapport avec le Kirito Chevalier, mais les couleurs se prêtent vachement bien avec le Kirito Interitic Knight. Vraiment, ça a vraiment de la gueule pour le coup. Et là, c'est la IDIS, je ne sais pas quoi. Cette IDIS là, ça doit être une IDIS d'un pack comme ça, je pense, parce qu'elle me dit rien du tout. Pour le coup, donc voilà. Bref, 1700 cubes, putain, il est bien. Hein. Le bug est bien. Hein. Bref, c'est parti. Le Geo, donc bah, il va aller, je pense, à mon avis, 3 steps, non? Alors, voyons voir. Ah, il retente. Ok. Ah, il a peut-être mis sa voix. Il a peut-être mis sa voix. Bon, je voulais pas spécialement les voix pour être honnête. C'est pour l'instant pas besoin quoi. Pour l'instant je suis surtout en mode tranquille. Donc on voit qu'il est sur Blue Stack. Hein. On voit qu'il est sur Blue Stack. Hein. Si vous connaissez pas Blue Stack, c'est un très très bon logiciel si vous voulez avoir vos jeux gacha, enfin vos jeux mobiles sur le PC. C'est une valeur sûre Blue Stack hein, avec Memu. Voilà, c'est un des deux. Oh, R4 dès le début. Step 1, R4 dès le début, putain. Waouh, pas mal. Ah, fauché direct. Aïe, 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 un ouf de soulagement. Lisbeth. Lisbeth Teneb, bah clairement pas ouf, hein, on va pas se le mentir. Ah d'accord, il y a ce qui est pas. Du coup, ouais, nickel, au moins comme ça, on en fera voir plus. Ouais, parce que n'hésitez pas, hein, quand vous voyez au multi, à skipper finalement. Bon, peut-être pas les multi quand vous droppez. Hein. Après, c'est vrai que bah là, on avait déjà vu son drop. Donc voilà, si vous pouvez skipper un maximum. N'hésitez pas, comme ça on en fait passer un maximum dans cette vidéo parce que bah, je me suis rendu compte que finalement, c'est vrai que ça passe vite, hein. Ça passe vite 20 minutes, donc voilà. Et d'ailleurs, ah, putain, il a drop un R4, il l'a pas vu, mais moi je l'ai vu les gens, il y avait l'animation de la porte, vous savez, l'éclat. L'éclat de la porte était mauve, et donc du coup c'est R4. Il a dû pas le voir, mon Iron. Donc tu feras gaffe la prochaine fois, c'est que ouais, là t'as chopé un R4. Il a pas le temps, en tout cas c'est fou, step 1, step 2, il drop un doublon. Enfin, il drop du perso. Doublon, doublon, bah écoutez, ouais, l'admin, pourquoi pas. Putain, encore R4. Ah non, c'était garanti, ça, autant pour moi. C'était step 3, là, c'est garanti. Mais bon, la Lisbeth, c'est pas ouf. L'admin, pourquoi pas, vraiment, ça peut être sympa. Ça peut être même très, très sympa, donc pourquoi pas. Donc là, step 3, on va voir. Et du coup, je sais plus ce que je disais par rapport au multi. Voilà, n'hésitez pas à skip. N'hésitez pas à skip un maximum, hormis, bah voilà, les garanties... laisser les garanties un minimum hein, pour qu'on ait un petit peu de suspense, j'ai envie de vous dire. Et bon, et puis voilà quoi. Et puis voilà. Donc merci d'être toujours aussi nombreux, ça fait plaisir. Ça, on se fait une petite réhack. Donc là, step 3, on va voir s'il drop le Geo. Il y a Alicia, mais bon, vu qu'il y a deux parties, j'imagine que non, ce serait quoi. Ah, Terraria Terre, Alpha Solifa qui était très très bien, fut une époque, hein, mais maintenant. Bah maintenant. Maintenant c'est mort quoi. Ah, il a des... Ouais d'accord, ok. Bon là du coup Iron se tâte énormément et au final il ne le fera pas. Il s'est dit, ah non j'abandonne. Mais il a une deuxième partie donc du coup au final il s'est dit, oh et finalement, pourquoi pas. Donc on va regarder sa deuxième partie tout de suite. Vu que de toute façon on est prêt. On est chaud, on est chaud. Tac, let's go.
let's go, let's go. Et d'ailleurs, c'est aussi très très cool de faire passer d'autres gens comparé à l'autre vidéo, même si bon, vous allez avoir encore des têtes connues, évidemment, hein, c'est ceux les plus actifs sur la chaîne, donc merci à eux. Merci à eux, clairement, ça fait plaisir. Mais voilà, on espère voir de plus en plus de personnes différentes. Hein, clairement, c'est le but. C'est le but. Donc, step 4 pour Iron, let's go. Let's go, let's go. Le step 4. Alors, R2. Tess, il drop encore, what the fuck, hein. Il fait un sans faute dans les drops, mais que du doublon. Ah, le step 4 qui est un shaft, ok. Step 4 du shaft. Step 5, let's go. 50% de drop, le nouveau perso. 50% de chance. Alors, est-ce que c'est le shaft ou pas? Dans cette garantie, dans ce step 5, les gens. Let's go. Let's go, let's go. Donc ouais, au niveau de Terra Alifa, c'est vrai que j'en ai pas parlé tant que ça. Bon, en vrai, c'était un bon perso, mais maintenant, il est dépassé, Terra Alifa. Problème, c'est que la Team Terre, hein, vous connaissez les bails. La Team Terre, elle est extrêmement prisée. Et malheureusement, l'IFA, elle pourrait encore avoir sa place. Mais bon, le souci, c'est l'attaque de base, en fait. C'est l'attaque de base. Après, c'est un bon perso parce que, genre, elle se buff son attaque. Donc, c'est vraiment cool. Et c'est un perso charge. Après, voilà, malheureusement... il me semble qu'elle n'est plus dans la team. Hein. Et il y a beaucoup trop de personnes de SS dans la team Terre, c'est abusé. Hein. Enfin bon, bref, on en reparlera, vous inquiétez pas. Dans la prochaine vidéo analyse, hein, vous oubliez pas, hein, le prochain ranking est un ranking Terre. Donc voilà. Réservez un peu vos cubes si vous le souhaitez. Hein. Mais ce géo est extrêmement stylé. Hein. On en a parlé dans l'analyse. Il est vraiment sympa. Dommage, encore une fois, qu'il sort après le ranking. Ça, ça fout le seum. Ah, et c'est le géo. Ok, Iron qui drop le jeu au step 5. GG. GG, GG. Bah écoute, vraiment, une session pas trop dégueu, hein. On va pas se le cacher. Alors on le laisse une fois, l'aspect du jeu pour que vous la constatiez. Mais après on skippera, hein, je vous rassure. Après on skippera. Mais non, ce jeu, en plus, l'aspect du jeu, magnifique, hein, également, j'aime beaucoup. Ah, regardez ces poses, quoi. Ces poses ont de la gueule, hein. C'est très très stylé. Ah non, franchement, ce jeu est cool, hein. Ce jeu est cool, moi j'aime bien, j'aime beaucoup ce jeu. Donc voilà, bah écoute, GG Iron, hein. GG pour ton drop. Voilà, vous pouvez tous lui dire GG en commentaire. Donc bref, nous sommes partis ensuite. Alors là, ouais, là je sais que j'ai en bas les Kirito Azuna, je sais pas si je vais vous les faire voir, les gens. Voilà, malheureusement, il y a eu une mauvaise gestion avant, voilà, vous étiez aussi nombreux, bref. Et je vous avais pas dit de skip, donc c'est ma faute. Gentai, let's go, EGO, il a décidé d'invoquer. Jo, 2 minutes, bon, le step 1 j'imagine, qu'il va faire. Il va faire que le step 1 ou le 2 peut-être. Donc let's go, Gentai, c'est parti. Deuxième personne qu'on voit pour le step 1. Alors, autant de chance. Ah ouais, d'accord, ouais, Gentai il skip direct, ok. Bon, tu vois Gentai, petit conseil, en vrai laisse au moins l'animation pour voir si t'as un R4, tu vois. Et si vraiment t'as rien au moment de passer la porte, bah tu peux skip, tu vois. Genre là, là c'est un peu tôt, c'est un peu tôt quand même. C'est un peu tôt. Là, R3. R3, R3, crépuscule. On est au step 2, les gens. Donc voilà. Donc là, laissez là. Vous voyez, quand vous filmez, laissez là. Là, vous laissez. Et là, vous skippez, tu vois. Là, c'est du R3. Là, vous pouvez skip. On aime quand même bien voir les animaux, hein, pas se cacher. Ah, la porte R3 qui est gagnante. Bon, le Nice Saint-Valentin, pas se cacher. Gagnant, gagnant, c'est vite dit, hein, j'ai envie de dire, mais GG à toi, hein. El Famoso, Loni, Saint-Valentin, bon, malheureusement, pour moi, elle est pas dans la team. Après, Magic Feu, ouais, mais même son buff, je sais pas, même son buff, je trouve pas incroyable, mais ok, ça peut dépanner, ça peut dépanner, ça peut dépanner, mais bon, honnêtement, voilà, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Le Jink, d'ailleurs, ça m'étonne que Gentai ne skip pas, pour le coup, parce que ce n'est que le step 2, donc techniquement, il y a rien. Techniquement, le drop est déjà là, même si normalement il devait rien drop. Donc, step 2, allez, let's go. Le step 3, non, ouais, c'est ça. Le step 3 pour Gentai. Ah, petit snap de Gentai. Je déconne. Je déconne. Ah, les aléas des notifs, hein. Je connais. Ah, clairement. Ah oui, c'est vrai, encore une fois, Gentai, hein. Ne skip pas, voilà, ne skip pas. Là t'aurais pu laisser, tu vois, c'est le step 3, on sait jamais. T'aurais pu laisser vu que c'est une garantie. Mais du coup, Stasia Terre, intéressant. Pour la team magique, ça pourrait être intéressant parce qu'elle a un arbre ex. Donc elle, à la limite, je mets un veto, tu vois. Je mets un veto pour voir si le ranking est magique ou physique. C'est vrai que je pars sur un ranking physique, mais c'est là, il va être magique le ranking, on ne sait pas, tu vois. Mais ok.
Ok, bon, step 4 du shaft, très bien. Dernier step, le 5, est-ce qu'il va faire comme Iron, notre cher Gentai? C'est parti, let's go. Bon, au moins, Gentai va laisser sa place à d'autres d'entre vous, donc c'est plutôt cool de sa part. Mais voilà, la prochaine fois, tu vois... Ah, il la drop, bah GG. Ok, GG, bien joué Gentai, El Famoso, EGO, au moins c'est assuré au step 5. Ça va, même si, bon, c'est pas une grosse luck, hein, on va pas se cacher, mais ça va, GG, bien joué, bien joué, bien joué. Invocation Kaneki, step 4 5, 4 à 7, c'est qui 4 à 7, c'est quoi? C'est du EGO? C'est du EGO? Ah, il m'a mis les gratuits. Ah non. Ah, c'est du EGO. Ah, mais c'est marrant, j'ai pas ton autre, Kaneki. Ah, c'est drôle, ça. Ah, il a peut-être pas rec la suite. Ok. Bon, bah, il a peut-être pas rec avec la suite. Adrien Grenier. Donc là, Adrien Grenier, c'est... merde, j'avais oublié, putain, il me l'avait dit en plus. Merde. Ah, mince, je me souviens plus de son nom. Bref, bon bah du coup let's go. N'hésitez pas à mettre votre pseudo hein, sur le titre hein, si vous voulez. Comme ça au moins je vous oublierai pas. Donc let's go, le step 1. C'est vrai que je sais plus. Je crois que c'est RTX, un truc comme ça. Sur le Discord, je crois. C'est un nom hyper dur à connaître. Vraiment, il est pas évident à connaître son pseudo, je crois, il me semble. Donc écoute, on va voir. Donc là, step 1, déjà un 4. Déjà un R4, ok. Rosalia. Ouais, par contre... ouais, par contre, un peu long, là. Notre cher RX, RGX. Ah. Oh, EGO step 1. Pas mal. GG. EGO step 1. Incroyable. Incroyable. Ah ouais, pas mal. Putain, step 1. GG. Bon, le reste, c'est rien du tout. Ok, bah d'accord, bah incroyable. Bah GG à toi. GG à toi, step 1, voilà, braquage. Bien joué. Bien joué, bien joué. Murasaki qui nous décide d'envoyer sa multi. Bah écoute, merci à toi, on va voir ton drop. Enfin, on va voir si t'as drop. Murasaki, let's go. Une vidéo de 3 minutes, c'est parti. C'est bien, ça s'enchaîne plutôt bien là, donc c'est plutôt cool. On va pouvoir peut-être passer encore des Kirito et Azuna, écoutez. Bon, on va prendre en préférence des persos, des gens qui ne sont pas passés sous cette vidéo. Genre Ailirus, je pense. Alors, Murasaki, let's go, le step 1. Le step 1, le step 1. Donc ça, vous pouvez skip hein, la waifu qui parle. La waifu de l'ascenseur. Enfin, à la deuxième parlotte, vous voyez. Le toucher l'écran, on aimerait bien le savoir quand même. On aimerait bien le voir. Mais au moment où, genre, elle dit start link, un truc comme ça, là, vous pouvez skip. Là, vous pouvez garder. Là, on a R3, du coup. Et là, il peut skip, là, s'il le fait. Voilà, parfait, il le fait, nickel. Donc là, il peut skip. Donc step 1, rien du tout. Step 2, let's go. D'ailleurs, c'est marrant, il a fait une petite ellipse, non? Ah ouais, il a peut-être fait un montage. Putain, décidément, les abonnés. Putain, je suis fier de vous. Hein. Ça fait du montage. Hein. Ça fait du montage. Ok, step 2, let's go. Let's go, let's go, step 2. Bon, le step 1, malheureusement, n'est pas passé. Pour l'instant, on n'a qu'un seul step 1. Mais c'est déjà incroyable. Hein, sur EGO, GG. Hein. Clairement, GG. C'est vrai, il y a beaucoup moins de gens qui ont invoqué. Hein. Dommage, il y avait Jiushan qui voulait m'envoyer sa multi. Mais bon, une prochaine fois, ne t'en fais pas. Mais malheureusement son rec a bugué. Enfin non, elle a supprimé le rec, malheureusement par mes gardes. Ok, step 3. Pour l'instant, double shaft pour notre fameux... merde. Putain, trop de mémoire. Trop de mémoire. Murasaki, voilà. El Famoso Murasaki. Le step 3, let's go, la garantie. Alors on va voir ce qui drop. Let's go, let's go. Step 3 pour Murasaki-kun. Alors... Attention, R3 pour Murasaki, attention, R4, ok, personne ne parle, très important, très très important. Alors, Jink, c'est parti, donc le perso à la fin, évidemment, évidemment. Alors, je vais peut-être accélérer pour en faire, ah, oh, bah le EGO, oh putain, en plus, il tombe pas à la fin, hein. Il est pas à la fin, est-ce qu'il va drop, est-ce qu'il va faire la doublette? Est-ce qu'il va drop un doublon? La question. Doublon ou pas? Kagemun. Sakuya. Le Diavel. Sakuya encore. Ah! Ah d'accord, il l'avait pas. Ok, Murasaki. Elle fait en sorte Kirito Dual Blade V1. Ça va, même si c'est Azuna qui remplace, malheureusement. Malheureusement, c'est Azuna Ténèbres... Azuna Ténèbres de Sao qui remplace ce Kirito-là, malheureusement. Donc, c'est bien. Si t'as pas Azuna, si tu l'as, il te servira vraiment à rien pour le coup. Mais ok, bon, ouais, petit bonus, hein, j'ai envie de dire.
petit bonus, hein, de toute façon le step 3 est assuré. Ok, un drop au step 3, bien joué Murasaki, GG à toi. GG à toi, ok. Et on passe du coup au dernier, donc Kaneki, step 4 et 7. Alors je sais pas pourquoi il m'a pas balancé le step 1 à 3, bizarrement, mais ok, d'accord. Ok, apparemment, peut-être petit bug, je sais pas, je l'ai pas vu. Bon, bah écoutez, c'est parti. Hein. Donc j'imagine 3 shafts, je pense. Mais du coup, step 4, let's go. Encore un snap, décidément. Eh, hey, y a des abonnés snappers ici. Hein. Ah, le step 4, ok. Ah oui, c'est vrai, c'est step 4 direct. Je croyais que c'était step 3, mais non. Step 4 du shaft, ok. Step 5, alors let's go. Est-ce qu'il va faire comme Gentai et RX, il me semble. Si je dis pas de conneries. Comme Adrien. Oh. L'Onivéen. Oh, le shaft. Ah le troll, ah le troll, aïe aïe aïe, et beau laser. Oh là 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 là. Attends, c'est peut-être pas fini, non? Le nid? Ah non, si, c'est fini. Ah là là. Bon bah Kaneki va nous faire le pire, décidément. Le step 5 qui ne passe pas, coup dur ça. Ah ça se fait mal. Ah ça fait mal au moral ça. Et là tu vas aller sur un step 6 du shaft normalement. Ah normalement là ça sent le shaft hein. Ah step 6 moi ça me porte jamais bonheur hein. Ah voilà c'est clair. Ah c'est clair, step 6. Ah step 6 tu sais que tu vas aller au 7. Tu sais que quand tu dois faire le 6, souvent tu te dis je vais aller au 7, c'est obligatoire, c'est obligé. Step 6 il ne régale jamais, clairement. Step 6 c'est vraiment un step pour dire t'es obligé de le faire quoi, c'est... Aïe aïe aïe. Bon, step 7. Dernière chance de choper le Geo, sinon ça sera le right up, mais je pense pas que Kaneki ira jusque là. En tout cas les cristaux que Kaneki font, hein, on va pas se le cacher. Golgorosso on s'en rappelle, hein, il était à 6000 cubes je crois, avant la Nive. Donc ça fond hein. Bon je pense qu'il va le drop hein, pour être honnête. Là s'il le drop là, s'il le drop pas putain ça serait très très étonnant. Hein. C'est le step 7 souvent il régale. Hein. Souvent le step 7 assure après putain là ça serait terrible. Hein. Alors Azuna, ah Azuna Ténèbres, bon c'est pas la fin. Hein. On le savait clairement que c'était pas le dernier, hein. Bien sûr que non. Azuna Ténèbres, donc c'est la fameuse perso du coup Murasaki. Ah il a drop le Geo, évidemment. Ah c'est bien, il me fait un skip Kaneki, merci à toi. Donc bah GG, step 7, wow, une petite Azuna bonus, bon bah ok. Azuna qui est le remplaçant, enfin la remplaçante du Kirito Dual hein, comme je l'ai dit. Donc intéressant, on a 17 minutes les gens, on va s'en voir une dernière. Alors c'est vrai qu'il nous reste Dark Flame. Dark Flame qu'on a pas vu passer, Athéna non plus je l'ai pas fait passer. Et Aelirus, aïe aïe aïe. Bon Aelirus invoque du dimanche, on va pas le prendre. Et Effigy aussi, ah putain vous êtes trop nombreux les gars, je suis désolé hein. Tu rends désolé, mais prochaine fois promis. Promis prochaine fois on fera quelque chose. Bon ça ok. Mais voilà, du coup là clairement cette vidéo on a vu clairement que c'est mieux. N'hésitez pas à skipper hein, comme je vous l'ai dit. Donc là vous gardez l'animation, l'animation je veux absolument la voir. Mais quand vous avez rien, vous pouvez skip. Genre vous voyez genre ça là, ça vous pouvez skip. Ça vous pouvez partir sur un skip. Mais ça c'est ma faute parce que ça tu vois c'est les invoques c'est les anciennes invoques. Donc ça c'est ma faute, j'aurais dû vous le dire. Je pensais qu'au départ en mettant l'invoque complète ça allait marcher, mais finalement vu que vous étiez quand même pas mal à jouer le jeu, donc merci à tous. Il faudrait que vous skippiez quoi. Pour comme ça on fait passer un maximum d'entre vous. Et on a bah, et on a beaucoup de points de vue quoi. Et du coup la vidéo est hyper intéressante. Enfin je trouve pour être honnête. Je trouve ça hyper intéressant. Donc du coup, Dark Flame. Non, Aelirus, autant pour moi. Aelirus. Pardon, pardon. Aelirus, donc on part sur rien. On va voir si c'est vrai. Aelirus. Voyons voir ça. Tac, 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 tac. Ah putain, j'espère que j'ai pas skip. Mais du coup, voilà quoi. Là, c'est le step. Merde, j'ai pas vu. Ouais. Ça c'est le step 1, ok, d'accord, très bien. Step 2, pour Aelirus, let's go, S2SO, donc Kirito Azuna Lumière, hein. Kirito Azuna Lumière, vous avez été nombreux à me l'envoyer, hein, mais voilà. Dommage, c'est que j'aurais skip, je vous aurais demandé de skip, j'aurais pu vous faire passer tous, mais bon, malheureusement, ce sera pas possible. Mais bon, je vous garde au cas où, si je vous passe la semaine prochaine, on verra. Ah, Azuna, drop d'Azuna, GG, pas mal, pas mal, pas mal. Au step 2 en plus, pas mal. Bah comme moi. Comme moi, j'ai drop... Ouais, c'est Azuna que j'ai drop au step 2 en plus. Ah ouais, c'est ça. J'ai drop Azuna au step 2. GG. Pas mal. Est-ce qu'il drop Kirito peut-être? Ah, attendez. Ah, je fais un peu de la merde. Ouais, ouais, ouais.
Allez, 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 allez. Ah merde, j'ai peut-être skip. Ah c'est bon. Ok, step 2 que Azuna, très bien. Et le step 3 du coup. Le step 3 sur la garantie. C'est parti, let's go. Let's go, let's go. Ouais, bah, ça sera le dernier Hailer Rush. Je suis désolé les gens, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je vous garde de côté, vous inquiétez pas. Et au pire, hein. Oh putain, l'IFA V1. Très bon perso, hein, mais tout le monde l'a, l'IFA V1. Il faut pas arrêter de déconner, quoi. Faut arrêter de déconner. Dernière ou pas, l'IFA V1? Bonne question. Ah, dernière. Dernière. Ouais, c'est la dernière. Ok, c'est la dernière au step 3. Bon, bah, GG à Eurus, hein, pour Alpha Mosso Azuna. Je te garde pour le step 5, t'inquiète. J'essaye de te garder quand même. On verra si je te passe à la prochaine vidéo, donc de la semaine prochaine, samedi. Tous les samedis, on va essayer, les gens. Donc voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là, les gens. J'espère que vous aurez plu cette session d'invocation. Donc, bah, GG à tous les abonnés qui ont drop. Hein, bien joué, vous avez drop EGO. Bah, tout le monde la drop, clairement. Je crois que tout le monde la drop, si je dis pas de conneries. Parce que tout le monde est allé au step 5. 5 et l'endroit, hormis Kaneki qui est allé au step 7. Mais ah, peut-être Bannière Pool EGO, peut-être RX, j'ai un doute. Mais voilà, bah, GG à tous les gars. GG à tous. Et du coup, voilà, vous inquiétez pas, ceux que j'ai pas encore passé, genre Athena, FJ, Ailurus 2ème, j'essaye de vous garder. Et Dark Flame, je vous garde de côté. Pas sûr que je vous passe, mais voilà, je vous garde de côté, on sait jamais pour la semaine prochaine. Voilà, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer vos invocations, c'est dans le Discord, vos invoques YouTube, sur le drive, voilà, il y a un drive ici, envoyez vos invocations, et voilà, ça ferait sans plaisir si vous voulez passer dans une vidéo qui se déroule tous les samedis. Allez, bye tout le monde les gens, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager la vidéo et à vous abonner, c'est très important, soutien à la chaîne, donc merci à tous ceux qui le feront, et un petit commentaire, voilà, ça soutient énormément la chaîne. Allez, bye tout le monde, ciao ciao. Shot and then I grab it.